matin, prêt pour le départ. La vue arrière. Et en principe, tout est dedans. Tout, sauf la bouffe, mais ça viendra. Il y a juste encore le plein d'essence à faire. Kilowatt Lima Ontario F6 Kilo portable en Japon Norvège 05 Pacifique Guatemala QSL 59004 QSL aussi que le transverter est très stable ce matin. Voilà, il a passé la nuit bien au chaud, bien sous tension et ça ne bouge pas. Je te souhaite une bonne journée, je te remercie pour le report et à très bientôt. F6 Kilowatt Lima Ontario portable, ici F6 Bravo Hotel Italie portable 2320.208.208 avec 400 mW et une antenne 33 éléments. Au revoir et à bientôt. F6 Kilo portable, F6 Bravo Hotel Italie portable. Au revoir. Attends, il va prendre un peu, puis... QSL, pas de problème. Roger, merci beaucoup. Le département de 43, pas de problème, tout est bien passé, aussi bien sur 144 que sur 432. Et à bientôt, le plaisir de vous retrouver. On a des 1200 aussi, mais bon, vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà, au revoir, merci beaucoup de Fox 5 Delta Eco Portable dans le département 19. Au revoir les amis, à bientôt, mais nous allons démonter maintenant parce que le test se termine. Bye bye, merci beaucoup, à bientôt. Il pend quoi l'appareil photo? Oui, mais il reste aussi. Le reste aussi, ouais. Alors, vous observez F5DE, dit gros DE. Attends, j'ai le soleil un peu dans le dos. En train de monter une antenne de compétition. Il fait ça bien qu'on soit pas emmerdé. Hein. J'essaie. Bon. Allez, bonjour à tous ceux qui regarderont ce film. Bien sûr. Et est-ce que vous avez une dédicace Dédicace? Ouais. J'étais pas venu pour bosser. J'étais venu pour manger, moi, et puis voilà. Quoi. Bon, bah écoute, tu boiras allez, après. Allez, à plus tard. Il est 12h50. Et au moins ça, les antennes sont en place. Maintenant, il faut tout brancher. Bonjour les gars, bon courage. Au revoir. Un QRZ, F6 Kilo, Lima Oscar portable. Ça arrive très fort la F0 Delta Tango India portable, très bien pour le score. Pour vous c'est 59-163 en Juliette Novembre 05 Papa Golf. Juliette Novembre 05 Papa Golf. QSL, félicitations pour les QSO, pas de problème. Nous sommes dans le sud du département de l'Indre, là, à une altitude de 435 mètres. Merci, ben, bonne continuation et puis à une autre fois. Bonne chance. Fox 6 Kilo Lima Oscar portable. Florida 6 Kilo Lima Oscar portable. Fox 6 Kilo Lima Oscar portable. Le Corrèze 19, appelle et écoute. Allez, BHI. BHI. Non, mais c'est pour BHI ça. Merci pour lui. Merci beau gosse, le chien.
Mais vas-y, finis ça, toi. Ça, c'est pour 5 VE. 5 VE ? Oui, madame. Dépêche-toi. Merci, merci. Attends, il y a du rable. Ce matin, peu importe les péripéties qu'il y a eu dans la nuit et tout, ce matin, avec Raymond, on va voir le groupe puisqu'il s'en servait plus. Il disait qu'il nous a dit qu'il n'y a plus de tension. Ça aurait pu être une panne du groupe ou quelque chose comme ça. On va voir le groupe. Je le mets en route. Putain, il pète du premier quart de tour de manivelle. Il démarre impeccable, tu vois. Il démarre. Je regarde. Il m'avait prêté son Matrix. Je regarde la tension. 0 volt. 0 volt. Je recommence. 0 volt. Et puis je vois que le disjoncteur avait sauté, tu vois. Et ça, personnellement, je ne me souvenais pas l'avoir eu. Hein. Je remets le disjoncteur en position, tu vois, le disjoncteur était pété, était sauté. Pouf, il remonte. Alors, comme il faut le démarrer avec soit une cafetière, soit un chauffage électrique, vraiment, on va chercher le chauffage électrique, on le met en route, impeccable. 1000 watts, 2000 watts, impeccable. Le groupe, il tourne, impeccable. Impeccable. Ça rebondit, hein. Ouais, Roger, Jean-Noël, F6 Alpha Papa Echo. Tu es 57002. Juliette Novembre 05 Papa Golf. Juliette Novembre 05 Papa Golf. 57002. QSL. Ok, Roger, 59015, parce qu'on est filmé par notre Raymond Petit National. Voilà, et bonjour de Gros DE. Donc 59015, ça marche très bien. On passe la fréquence transposée sur 10 gigas, aux alentours de 150, unité 50, tu appelles ? Ok, Roger. Voilà, t'as vu là, passer d'une bande à l'autre. Ici là, tu vois pas là. Faut passer d'une bande à l'autre. 5, 7 et 10 gigas. Hein, les autres, ils font pas comme ça. Alpha Papa Echo, F6 Kilo Lima Oscar portable, F6 Alpha Papa Echo, F6 Kilo Lima Oscar portable, tu es 55002, Juliette Novembre. 05 Papa Golf 55002 Juliette Novembre 05 Papa Golf QSL
55-018. Roger. Tu vois, il y a deux stations qu'on a fait sur les 5 bandes. Ce sont des stations qui maîtrisent les 5 bandes. C'est pas comme les multi-opérateurs qui sont cloisonnés entre chaque bande et puis tu retrouves plus personne. 73 Jean-Noël, très content d'avoir fait le QSO sur les 5 bandes. Bonne fin d'après-midi, à bientôt. Salut papy. Salut papy de la part de tout le monde. T'as BHI, Morissette, t'as Gros DE, puis t'as Raymond. F6 Kilo, Lima Oscar, portable 19. Ah, ça fait 6 bandes, bah dis donc, c'est même plus quoi. Bah oui, ça fait 6 bandes, tu as raison. On a fait 6 bandes, ben, comme avec BZG, c'est les deux seules stations qui ont pu faire les 6 bandes. Allez, salut, à bientôt. Ah, bonjour l'OM Charentais. Ah bien? Oui, alors quels sont les résultats de week-end? Les résultats du week-end? Ben écoute, on vient de terminer à 181 QSO, 144 gars. Comment est-ce qu'on a fait en 432? Une cinquantaine sur 432, 15 en 1296, 5 en 2320. Et 2 sur 5,7 des 10 GHz. On n'a pas bénéficié. Vous avez permis de faire une dizaine de QSO sur les bandes 5, 7 et 10 GHz. J'ai remonté un peu de points. Ah bah, ça fait rien. Hein. Ça a été comme ça. Et puis, on aurait peut-être pu faire plus de QSO sur les bandes supérieures. Si notamment les stations multi-opérateurs, multi-stations privées, fortement cloisonnées dans leur système de communication, peut-être moderne, mais moins cloisonnées. Un mono-opérateur qui monte en escalier, il contrôle ce qu'il fait. Un multi-opérateur, c'est chaque fois l'autre opérateur qui est à la limite, n'est pas motivé comme le précédent, et puis si on loupe une vente, ben. Il n'y a pas de suivi et puis bon bah, et puis on fait rien. Comme ça il y a au moins, je sais pas trop, 4 stations qu'on aurait pu contacter, qu'on n'a pas fait, bah, tant pis pour nous, tant pis pour eux aussi. Voilà, ça c'est le côté coup de gueule. Mais sinon propagation standard, un peu plus de QSO ouais, en 144 que l'an dernier, il n'y a pas eu de sporadique. On a dû faire un ou deux Belges, deux ou trois Suisses, pas d'anglais. Quelques espagnols, moyenne kilométrique vers 200 km et des poussières. Bon, c'est gentil, de toute façon, on aura défendu les couleurs de la Corrèze. Ici, c'est la Corrèze. Voilà, mais on n'aura pas banani. T'as entendu l'écho, hein? Mais il semblerait que les gars du Lot-et-Garonne, là, le 47, ils nous aient banané bien. Ils sont contents. Ils sont contents de leur truc. Et bon, on a joué, on a participé, on fait quand même partie du podium, a priori. Et puis voilà, et puis on se retrouve. Alors, les prochains contests? La prochaine sortie de prévue, ça sera lié rue VHF, au Vareron. Mais ça ne sera pas au titre de F6 KLO du département, ça sera plus personnel. Enfin bon, on sera là quand même. Ça vaudra le coup de faire un championnat de France là-bas, mais c'est beaucoup de matériel pour, je vais pas dire pas grand chose, mais parfois on est un petit peu déçu. Alors on espère que la Corrèze aura participé nombreuse comme on lui a demandé. Et puis voilà. Merci. De rien.